chers spectateurs, je suis heureux de vous saluer sur notre chaîne. C'est Alexandre Soudarev comme toujours. Et aujourd'hui, nous allons parler des événements qui se passent dans la vie du projet Sovelmash. Beaucoup d'entre vous, ceux qui suivent activement nos réseaux sociaux, ont vu à plusieurs reprises les travaux qui se passent sur le chantier. Je parle de la zone spéciale économique, le chantier d'Alabouchevo, où on est en train de construire le futur bureau technologique d'études Sovelmash. Il y a beaucoup de travail à faire. On voit déjà très bien combien de bases au métal se sont érigées du sol, et je suis sûr que très bientôt, nous verrons comment les éléments d'ossature au métal du bâtiment sera installé sur ces bases, et nous aurons encore des vues encore plus magnifiques par la suite. Mais cela ne veut pas dire que nous travaillons seulement sur le chantier. Dans les zones louées, il y a aussi beaucoup de travail. Ce sont des essais, la modélisation, des nouveaux équipements rotatifs, beaucoup de travail dans le laboratoire, beaucoup de choses. Nous pouvons dire que le projet passe au niveau suivant, à l'étape suivante, au niveau suivant de développement. Maintenant, là, nous sommes dans le nouveau local où il y a des travaux de rénovation. Et la salle se prépare à l'acceptation de l'équipement que nous avions commandé en Chine via notre partenaire Victor Aristov pour régler la ligne de production, et ce qui permettra de produire des moteurs asynchrones de petite série, et dépendant de la taille, etc., le nombre de moteurs produits par mois sera différent, mais le nombre moyen, c'est 12 000 unités. Et c'est le nombre assez important des moteurs. Et Sovelmash pourra produire tout cela dans les zones louées. C'est nécessaire pour venir le plus vite possible à la possibilité d'utiliser les zones, les espaces du futur bureau au maximum. Après la mise de la ligne de production, ici, il y aura la préparation des spécialistes, des cadres qui travailleront tous les jours avec cet équipement. Il y aura aussi le réglage de la méthodologie du travail. Les programmes seront créés, l'équipement sera optimisé, tous les équipements supplémentaires seront créés, et cela pourra nous permettre de montrer de façon visuelle comment la production sera faite. C'est vraiment un grand événement dans la vie du projet. Beaucoup ont entendu cet événement et il est presque là. À part cela, le nombre des zones louées sera encore plus grand d'une salle. Je parle du laboratoire d'essai. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Je pense que ce que vous voyez sur l'écran confirme de quoi cela a l'air aujourd'hui. Selon les demandes et les standards, nous avons pris la décision de détendre la surface du laboratoire pour augmenter le niveau de sécurité, le niveau de qualité de travail, etc. Et des aménagements comme cela pourront séparer la ligne d'essai des employés. Et cela pourra protéger l'équipement de haute précision. Ainsi, nous serons conformes à toutes les normes, ce qui approchera le moment de l'accréditation, de la certification. Et la certification pourra aussi donc augmenter le niveau de confiance des clients potentiels. Et cela sera une preuve supplémentaire de la fiabilité de la technologie, de sa performance, et ainsi nous pourrons parler avec autorité des résultats des essais comparatifs, etc. Ces résultats auront le même poids et seront vus avec le même respect sur le territoire de la Russie ainsi qu'en dehors de la Russie. Bien sûr que c'est une question complexe, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de détails à prévoir. Néanmoins, sur vos écrans, vous pouvez voir les travaux qui sont effectués pour mettre en service les processus dans les zones louées, ce qui permettra d'augmenter les capacités courantes de Sovelmash et de régler tous les processus nécessaires, d'ajuster tout cela. Par la suite, vous verrez encore plus de choses, vous apprendrez encore plus d'informations sur la vie du projet. Abonnez-vous à nos chaînes, laissez vos commentaires, suivez le projet et à bientôt.